Aujourd'hui, c'est une de mes façons préférées de pratiquer qu'on va explorer. C'est une pratique sur l'ouïe. Et je l'aime beaucoup parce que ça s'exporte n'importe où, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, dans des foules, en nature. Et ça nous permet de trouver beaucoup d'ancrage, surtout quand on sent qu'on se fait un peu porter par le vent. Trouvez votre posture de méditation, ça peut être assis, couché, debout. Et quand vous serez prêt, les yeux peuvent se fermer ou vous pouvez avoir le regard vers le sol et légèrement vers l'intérieur. Et en respirant par le nez, laissez l'abdomen, le thorax se remplir d'air. Et expirez doucement. Et continuez de respirer comme ça juste pour arriver dans votre pratique. Permettez à la respiration de remplir chaque cellule de votre corps. Détendez l'intérieur des épaules, détendez le visage. Et relâchez l'espace autour du cœur. Commencez à laisser votre champ de conscience s'élargir. Donc, à prendre conscience de l'environnement où vous êtes, des gens, des bruits. Observez chaque son qui arrive et qui repart, sans égard à vos préférences. Chaque son a un début, une durée, une fin. Chaque son est comme un nuage qui passe dans le ciel. Pouvez-vous accueillir chaque son? Ceux que vous considérez bons, comme ceux que vous considérez moins bons, sans vous attacher ou sans résister.
Avez-vous tendance à rester un peu plus longtemps avec les sons qui sont considérés comme bons, comme agréables? Cherchez la nuance entre recevoir le son et l'écouter. Pouvez-vous recevoir les sons sans chercher à les poursuivre, sans chercher à les comprendre et sans leur donner une histoire? Simplement présent dans l'environnement. Est-ce que votre corps réagit à certains sons? Ramenez un peu plus la conscience sur vous, sur votre corps et écoutez les sons qui bougent en vous. Les sons de la respiration, les sons du cœur qui bat. Sans vouloir se couper des sons externes, mais juste en ramenant un peu plus d'attention vers soi. Pour être pleinement présent, pleinement conscient dans l'environnement. Et voyez si vous pouvez amener un peu de cette pratique-là dans votre quotidien, que ce soit dans des endroits où il y a peu de son ou dans des endroits très bruyants. Juste voir et explorer.
Quand vous serez prêt, les yeux pourront s'ouvrir à nouveau. Et je vous remercie pour cette pratique.